Salut à tous, c'est Macognor Minou, on se retrouve aujourd'hui sur le TCGO. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le TCGO, mais là c'est l'occasion. J'y joue pas souvent, j'y joue pas... Ouais, en ce moment j'y joue pas souvent, j'ai pas trop le temps. Par contre, je fais quand même, je vais chercher mes bonus tous les jours, je fais une ou deux parties en VS. Et donc du coup ça me permet de gagner quelques pièces. Il y a quelques temps, je voulais le faire à la sortie, puis finalement j'ai vraiment pas pu enregistrer, ça fait quelques temps que j'ai acheté ces boosters. J'ai acheté pas mal de boosters Evolution, c'est la nouvelle extension, hein. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite ouverture. Ça avait pas mal marché, ça vous avait plu pour Offensive Vapeur. Donc je me suis dit qu'évolution, ça allait être pas trop mal. On va tout de suite partir donc pour ouvrir les boosters dans collection. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 15 boosters. On va s'ouvrir les 15 boosters. Et après on s'ouvrira peut-être, j'ai quelques boosters à ouvrir. 4-5 boosters comme ça pour le fun. Allez c'est parti. J'ai vraiment hâte parce qu'apparemment c'est des... Il y a certaines rééditions de la première, voilà, première génération de cartes, le set de base Wizard, et franchement, c'était vraiment les meilleures cartes. Alors. Ah oh, ouais, mais c'est carrément en fait les. C'est carrément en fait les cartes de la première génération, le design. Ils ont même refait les dresseurs, les liens spirituels et tout à l'ancienne, et ça c'est énorme. Je me souviens de toutes ces cartes. Bon, par contre, les rares, elles étaient un petit peu à chier. Est-ce qu'ils vont faire comme dans les anciens boosters de 4, 6, 8, 10 à mettre une énergie à chaque fois, on verra bien. Ah, j'ai vraiment hâte. Est-ce qu'ils ont rajouté des nouvelles... Ouais, ils ont mis une énergie. Est-ce qu'elle va être jouable en étendue, celle-là? Super. Bon du coup, bon peut-être que vous découvrez, si vous êtes un peu jeune, vous découvrez peut-être cette édition. Moi franchement, c'est l'édition de ma jeunesse quoi. Et il y a pas longtemps, j'ai trié mes cartes. N'importe quoi. J'ai retrié mes cartes, je les ai mises en classeur et je regardais un peu ce que j'avais. Et du coup, je suis retombé sur tous mes doubles de cette édition. Eh, ça fait vraiment bizarre. Vaillance de pierre. Ah, celle-là, elle n'existait pas par contre. Arcana. Bon, on n'a pas eu d'holo encore. C'est un peu naze par contre ça. Bon, il n'y a pas souvent d'holo hein, parce que elles étaient peu nombreuses. Ondine, elle y était pas dans le set de base non plus. Ratatak en rare quoi. Bon, j'espère que ça serait cool qu'on ait des holos quand même. On a elle. Bon, la Foulard c'est déjà super, mais... C'est marrant d'ailleurs de voir comment ils ont fait... Ils ont réédité, vous savez, un peu le dresseur, le titre dresseur avec la planche, mais ils ont quand même conservé leur nouveau délire de Foulard. C'est classe. C'est vraiment classe. Fantominus. C'est marrant parce que entretien, je crois que c'est une peu commune et je tombais jamais dessus quand j'ouvrais des boosters gamins. Mais j'ai 2-3 dresseurs que j'ai vraiment du mal à choper. Bon, la Mantine, ok. Ah, oh, ce serait épique de choper un Nidoking ou un Dracaufeu. Trio Picker. C'est pas une super pioche pour le moment, hein. On avait plus de chance dans Fossil Vapeur. Ah, peut-être que... Ah, mais le fait est... Bon, Magneton. En holo. Ça, c'est une rare holo que j'ai pas en double. Magneton, elle tombe pas souvent. Enfin, je l'ai pas en double et en plus, je l'ai même pas en édition 1. J'essayais de me faire tout le set de base en édition 1. Bon, le canardichot, on l'a. Et le Pikachu volant. Alors, elle faisait pas partie du set de base, c'était une carte promo. Je me demande si c'était pas pour le... C'était une carte promo. Je sais plus pour quelle occasion c'était. C'était pas pour le film 2, je sais plus. Je crois que je l'ai en anglaise celle-là. Je l'ai pas en français. Ah, Chopper, il me semblait qu'on l'avait déjà eu. Pourquoi il marque en nouveau? Ah ou alors ils ont fait des reverse peut-être et que j'ai pas fait gaffe. On les voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup la différence sur ce jeu.
Bon, il me reste combien de boosters? 4 boosters? 5 boosters? Ah ouais, vous voyez, Dorino, ils l'ont fait en reverse, là. J'ai encore acheté aucun booster de ça, et je vais vraiment m'y mettre, parce que ces cartes, elles sont géantes. Oh, excellent! Le noix de Coca-Cola, je l'ai jamais eu. Waouh. Oh, ça doit être une promo qui est sortie qu'au Japon, sûrement. Mais je l'avais déjà vu sur un site. Énorme. Enfin, c'est vraiment, vraiment classe ce qu'ils ont fait, je suis vraiment très content. Je vais vraiment me vider mon compte en banque dans ces boosters. J'ai pas eu de méga là, il y a des liens spirituels, c'est que théoriquement il y a des méga. Je serais curieux de voir comment ils ont fait les cartes en méga. Ah, ça y est, Nidoking. Bon, théoriquement elle est en holo, hein, mais là elle a. Normalement, quand on passe la souris, ça fait briller un peu la carte, et là on l'a pas. Super, bah, je vais me faire vraiment plaisir avec ces cartes, moi. Allez, deux boosters. Allez, s'il vous plaît, un petit. Bon petit coup de chance. Oh, ça c'est pas cool, c'est pas cool. J'ai vu que j'avais un peu de sous là. Je vais peut-être pouvoir m'acheter le booster de la chance. J'ai tous des liens spirituels, mais j'ai pas eu un méga. Oh, pique un artichaut. Oh la dépression. Bon, on va tout de suite là, il me reste un peu de sous. On va aller au shop. Et on va aller s'acheter un petit booster. C'est quoi ça? Oh, il y a un Décatème Mewtwo. Est-ce qu'on peut voir juste ce qu'il y a dedans? Oh, ce Mewtwo. C'est con qu'ils aient pas réédité les anciens decks, je les avais tous. Là. Le deck, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un deck avec Fenard. C'est le premier que j'ai eu. En plus, ils ont pas rajouté. Si, ils ont quand même rajouté des nouvelles dresseurs. D'ailleurs, c'est bizarre de se dire de jouer avec des cartes qui ont totalement le. Qui ont un design totalement différent. Mais bon, c'est pas mal. Et le deck que j'ai vraiment le plus acheté, parce que j'étais fan de Maconior déjà à l'époque, c'est le deck. Il était combat et. Peut-être combat et psy. Je sais plus. Et il y avait Maconior dedans. Oh là là. Et j'ai dit dans mon magasin, je crois que c'était à Super U. Je peux pas faire de pub, c'était à Super U. Ils les vendaient en édition 1. Et je me souviens que j'avais acheté au moins 4 ou 5 decks. Donc j'ai des Maconior holo en édition 1 à l'appel. Bon après c'est voilà, c'est une des holo les plus communes. Et qu'on l'a chopé en. On l'a chopé en deck. Je me souviens que peut-être c'est le. J'ai plus galéré, c'est avoir Florizarre. Florizarre Nidoking et puis bah du coup Magneton. Alors du coup on va vite retourner. Et j'ai s'il vous plaît, je veux une bonne carte. Allez. Electek. Allez go. Electrode. Oh la tristesse, ce monde est triste. Bon bah voilà, on a fini pour les boosters évolution. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà ouvert de ces boosters, quelles sont vos cartes préférées dans les premières éditions. Et je me mets à la place en fait de tous ceux qui découvrent cette édition, ils doivent se dire mais les cartes elles sont un peu, les dessins sont un peu bizarres. Mais en fait voilà, c'est juste la base. Alors qu'est-ce qu'on va s'ouvrir là, on a un petit peu de temps. Pff, offensive vapeur. Non, on va s'ouvrir un peu du. Tiens, les deux origines antiques là. Allez. Peut-être qu'on aura de la chance sur les nouveaux boosters. Un Registeel que j'ai en. Pff. Il me met nouveau, mais arrête, il est en 15 000 exemplaires. Oh non, on va faire en fait tous ceux qui sont verrouillés comme ça. Je serai pas emmerdé, je garde les autres pour les échanges. Flore Jean Turbo, je l'avais pas, et. Bon, Bruiverne, je m'en. Pas les steaks.
Et... Je vois des gens, ils ont une chatte monumentale aux ouvertures, que ce soit en réel ou en virtuel. Moi, je suis vraiment pas le figure à côté. Brut à librer, de la daube. Qu'est-ce qu'on peut s'ouvrir d'autre? On va s'ouvrir les deux impacts, là. Le Ptera, je l'avais pas. Et je suis super content parce que je voulais faire un... J'avais commencé un deck, je sais plus si je vous en avais déjà parlé. Ça, je l'avais appelé Préhistérique, voilà, c'était un petit jeu de mots à la con. Et je voulais faire un deck vraiment full fossile. Du coup, je suis assez content. Alors, Ptera, je l'imaginais pas en normal. J'adore cette illustration, vraiment, le côté un peu gargouille. Mais je crois que je l'ai chopé, moi, en vrai. Oui, je l'ai, en vrai. J'ai quasiment fini cette édition. Mais ça aurait été cool que je l'ai en roche. Mais du coup, en normal, elle sera très bien. C'est une sacrée attaque, quand même. Souffle supersonique. Le Lugia. On en a, on veut, tu en voilà. Et on va ouvrir le dernier verrouillé d'offensive vapeur. Donc ça y est, le ninja amateur est enfin jouable. Il a été bloqué pendant je sais pas combien de temps. Du coup, peut-être que je ferai un épisode sur en jouant à peut-être des tournois DKTM et je jouerai mon DKTM Volcanion. Je vais voir. Tangalis que j'avais pas. Ok. Bon, est-ce qu'on s'ouvre les petits coffres là? C'est un petit peu de la merde, mais on va les ouvrir quand même. Ça me fait chier, ça traîne. Empereur. Je l'avais même pas en plus, je crois. Un seul lourdeau. Oniglali. Alors c'est dingue ce que j'ai comme lien spirituel et j'ai si peu de méga. Et une potion donc d'évolution. Ok. Bon bah voilà, écoutez, on a fini, on a fait quand même pas mal d'ouvertures. On s'est ouvert 15-16 boosters évolution. La pioche a pas été giga bonne quand même. On va regarder un petit peu ce qu'on a gagné. Papapapam. Je sais plus exactement comment on peut faire, je crois qu'on peut trier par... Oh, c'est lequel? Est-ce que c'est celui-là? Je cherche le évolution, s'il vous plaît. Bon, c'est peut-être ça, on va regarder. Ouais, c'est celle-là. Le nom a juste un peu déconné, ils ont peut-être... Voilà, c'est... Bon, c'est XY12, ok, mais ils auraient pu mettre évolution. Bon, est-ce qu'on va les trier? On va les trier par... Par numéro de collection. Voilà, comme ça, c'est vraiment dans l'ordre. Même si je suis pas sûr... Elles étaient pas dans l'ordre là, je crois. Hein. Ah si. Peut-être, je sais plus. Je me souviens que j'avais acheté mon premier deck, et avec, il y avait un espèce de tapis de jeu... Il y avait un tapis de jeu, donc d'un côté avec pour jouer, vous savez, avec le banc, Pokémon actif, les récompenses, tout ça, un petit endroit pour le deck et la pile des fausses. Et derrière, il y avait toutes les cartes donc du set qui étaient alignées. Chenipan en reverse, énorme. Ouais, franchement, je vais aller en acheter, mais une blinde. Elles étaient pas triées, maintenant ils trient par ordre d'évolution, elles étaient pas triées par ordre d'évolution, je crois. Faut que je remette la main sur ce papier. Moi qui voulais me faire un deck Nidoking, enfin vous savez, Nidoran, Nidorino, Nidoking, tout ça, toute la famille, avec les nouvelles cartes qui étaient pas mal dans Offensive Vapeur, et ben peut-être que je vais pouvoir. Ouais, peut-être que je vais pouvoir. Papapam. Non, franchement, je suis vraiment très content. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, là, ils ont rajouté des talents qu'il n'y avait pas à l'époque. Très très content. Et puis les petites cartes promo, là. Je sais pas comment ils les notent. Ah oui, ils les notent un peu comme les secrets, du coup. Bon, je sais pas. Après, voilà, comme d'habitude, vous savez comment je suis. Quand j'ouvre, moi, je me spoil jamais. Je vais pas trop voir. Il y a beaucoup de gens qui font des ouvertures de cartes en japonais ou en anglais.
Voilà, moi ça me plaît pas, je préfère autant les ouvrir moi-même. Donc je regarde pas ces vidéos si elles sont pas en français. Et donc comme ça je me spoil rien du tout. Et voili voilou. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine dans le TCGO. Je pense que je vais peut-être refaire bientôt une vidéo, refaire un petit peu de tournoi comme je vous disais de DKTM. Puis ça me fera un petit peu rejouer parce que j'y joue pas souvent et j'ai parfois des commentaires de personnes qui me demandent de refaire du TCGO. Donc je vais refaire un petit peu. Voilà, portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, dans les Let's Play, dans KOTOR, dans tous les Pokémon. Bye bye.